Donnez-leur un peu de mou, lieutenant. On ne veut pas qu'ils se barricadent, mais qu'ils sortent. J'arrive où là? Je suis monté, je suis descendu. Bon, je suis où là? C'est quoi cette sécurité? Je voulais descendre, je suis monté, je suis descendu là. Putain, j'arrive pas à savoir si je monte ou je descends. Alors je sais pas de quel côté je dois aller pour aller vers la prison qu'on a croisée tout à l'heure. On va dire que là le jeu est bien fait donc première chose à faire c'est l'ascenseur bon. Donc je vais devoir recommencer. Pas sûr de la trouver. C'est pas clair. Entrée du centre d'élevage, poste de sécurité, vers la tour de transmission. Vers la sécurité. Ah, mauvaise touche. Ah ouais, c'était bien ça.
Ah, ils auraient pu mettre avant quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai tout dit! Mais... vous êtes de l'Alliance, c'est ça? Je savais que quelqu'un viendrait. Il a essayé de me briser, mais il n'a pas réussi. Je l'ai empêché! Calmez-vous. Dites-moi d'où vous venez. Oui, chef! Soldat Menos à vote du 3e régiment d'infiltration, chef! Capturé en mission de reconnaissance il y a 6 jours, chef! Ces enfoirés n'ont même pas posé de questions. Des murmures, des coups, des blessures, c'est tout. J'aurais dit n'importe quoi pour sortir et me venger. C'est pas trop demandé, si? Une petite vengeance! Vous pouvez m'aider ou je vais devoir vous traîner dehors. Je vais vous suivre à la trace. Je veux juste sortir, être loin de ces murmures incessants. Ça fait des jours qu'ils diffusent ça non-stop. Il y a quelque chose de louche, Shepard. Si on ne l'aide pas, c'est un homme mort. Il faut faire quelque chose. Tout à fait. J'ai pas envie de moisir ici, mais alors pas du tout. C'est trop petit. Et les murmures, ça casse les oreilles, vous savez. Je veux sortir. Allez, laissez-moi sortir. Mais c'est sûr qu'il va se retourner contre nous. Va nous être utile. Oui, chef. Vous allez voir. Je suis très fort pour obéir aux ordres. C'est sûr. J'arrête pas de les entendre. Pourquoi ils les répètent tout le temps? Ils sont simples pourtant. Tellement simples. Voilà. C'est sûr. Il est armé dans une cellule d'ailleurs. Sauvegarder. Bon. Plusieurs, ça. C'est un bug ou... Je crois que j'ai des ennemis que je peux pas sauvegarder. Par contre, ça m'inquiète ce truc là. Parce que bon, si c'était normal que je puisse ouvrir, j'aurais un texte qui s'affiche. Et là, j'ai rien. Alors, dans le doute, je vais recharger la partie pour que ça recharge des scripts. Vraiment être sûr que j'ai rien loupé. Et que ce soit pas un bug. Pensez à recharger. Dans le doute, tu rebootes. What?
Ah bah j'ai fait un sacré tour. Ok, non, c'était un supplément. Bon. On va pas faire avancer pour neuf. Voilà, neutraliser ça, c'était fait. Neutraliser était non. Ok. Bon, bah, visiblement, j'ai peut-être fait un peu trop. Y'a pas de chrono, tu reviens? Cette salle, j'aurais pu effectivement passer sur le côté. Passer par les prisons et du coup arriver puis voilà, peut-être pas censé. Hé oh, y'a quelqu'un? Et lui, comment je y accède? Est-ce que je peux y accéder du coup? What? Ah oui, y a rien derrière. Moi aussi j'ai pas mal. Bizarre. Ah, c'était là. Ok, non, il y a quelque chose derrière. Mais... Et puis, je sais pas. Bonjour. Non. Vous n'êtes pas un guet. Non. Et vous ne portez pas de blouse. Content de vous voir. Lieutenant Ganto Himnes du 3e régiment d'infiltration. Capturé en mission de reconnaissance. J'imagine qu'on a appelé la flotte pour détruire la base, non? La transmission n'était pas claire. Il n'y aura pas de flotte. Je vois. Alors vous devez être l'équipe d'infiltration. Tel que je connais le capitaine, il va faire détruire ce centre. Mon équipe a changé, elle s'est fait endoctriner. Ils connaissaient l'existence de la zone d'élevage. Mais l'endoctrinement, c'est bien pire. Bien plus terrifiant. J'ai vu des gens intelligents devenir des coquilles vides. De vrais zombies. D'autres sont morts pendant les expériences. Ceci dit, je les envie presque. Ces expériences, qu'est-ce que vous en savez? C'était des études sur l'endoctrinement. Ses symptômes, sa progression. J'ai l'impression que sa reine l'utilisait sur ses troupes sans vraiment en comprendre la portée. Je peux pas vous en dire plus, à part que... J'ai vu le résultat, les autres, ça leur a complètement vidé l'esprit. Je veux pas finir comme eux. Allez, ouvrez-moi! J'ouvre votre cellule, mais après, c'est chacun pour soi. On ne regarde pas en arrière et on croise les doigts pour ne pas sauter, c'est ça? Sans vous, je n'aurais jamais eu cette chance. Merci, et bonne chance. Vous en aurez besoin. Ok. Ils sont totalement insensibles. Ce ne sont pas des manières de traiter des prisonniers. Les tuer, d'accord. Mais les laisser dans cet état-là. Ouvrez les portes. Vous êtes sûr? Faites-les sortir. Oui, en danger pas. Je suis ce qu'il veut que je sois. Bon, je libère tout le monde, mais... Ok. Bon, bah, cette fois-ci, je vais prendre l'ascenseur. Nous devons mettre fin aux agissements de sa reine. Ah bon? Pas. Je vous en prie. Je veux juste sortir de là avant qu'il soit trop tard. Je ne vais pas vous faire de mal. Qui êtes-vous? Ranatanoptis, neurologue. Mais je ne veux pas mourir, ou pire encore, pour ce boulot. Vous croyez que l'endoctrinement ne touche que les prisonniers? Un jour ou l'autre, sa reine voudra me découper le cerveau en rondelles, à moi aussi. Je croyais qu'on était dans un centre d'élevage. Pas à cet étage. Ici, on étudie l'effet de Sovereign sur les cerveaux organiques. Du moins, c'est ce que je croyais. Sa reine nous a laissés dans le flou. Vous l'avez aidé, et vous ne savez même pas pourquoi? Je ne pouvais pas négocier. J'ai signé un contrat à durée plus...
indéterminée que je l'imaginais. Mais je peux vous aider. Cet ascenseur derrière moi mène au labo privé de Saren. Je peux vous faire entrer. Vous voyez, accès total à tous les dossiers privés de Saren. C'est bon, je peux partir. Qu'est-ce que vous étudiez ici? C'est ce vaisseau Sovereign. Il émet une sorte de signal indétectable, mais bien réel. J'en ai vu les effets. Saren l'utilise pour influencer ses partisans, pour les contrôler. C'est ce qu'on appelle l'endoctrinement. Une exposition directe au signal vous transforme en esclave décérébré, comme les cobayes galariens. Mais il y a des dommages collatéraux. Qu'entendez-vous par dommages collatéraux? Le signal de Sovereign est trop puissant. Si vous passez du temps près de lui, vous sentirez une sorte de picotement au niveau de la nuque. C'est comme un murmure à peine perceptible. On se sent obligé de faire certaines choses sans savoir pourquoi. On obéit, un point c'est tout. Et on finit par arrêter de penser par soi-même. Tout le monde est touché dans le centre. Mon premier cobaye, c'était le type que je remplace. Je veux sortir de là avant que ça m'arrive. Pourquoi Saren fait-il ce genre de recherche? C'est lui qui contrôle tout ça, non? Le signal vient du vaisseau. Il nous contraint à obéir à Saren, mais je ne suis pas sûre qu'il le contrôle. Pas vraiment. Je crois qu'il craint d'être touché ici. L'endoctrinement est subtil. Lorsqu'on en ressent les effets, c'est souvent trop tard. Parlez-moi de ce signal. Signal, ce n'est pas tout à fait le mot juste. Il y a une espèce de champ énergétique qui émane de ce vaisseau et qui agit sur la structure de la pensée. Avec le temps, quelques jours, une semaine parfois, il affaiblit votre volonté. Vous devenez plus facile à manipuler et à contrôler. Mais ça entraîne une dégénérescence. Il y a comme un système de vase communicant entre le niveau de contrôle sur le sujet et le degré d'utilité du sujet lui-même. Plus le sujet perd de liberté, plus il perd de capacité. Je vais tout faire sauter. Si vous voulez vous en tirer, il va falloir piquer un sprint. Quoi? Vous n'allez pas? Je ne... Ah! Ah! Ça vous a plu, hein, commandant? Quoi? Merde. Pas de données... Ah, la révélation. C'est ça. Commandant, là-bas, il y a une autre balise, comme celle d'Eden Prime. J'ai un mauvais pressentiment. Vous n'êtes pas Saren. C'est quoi ça? Une espèce d'Ivée? Des créatures rudimentaires de chair et de sang. Vous touchez mon esprit à tâtons, du fin fond de votre ignorance, incapable de comprendre. Je ne crois pas que ce soit une Ivée, non. Il existe un plan d'existence si éloigné de vos perceptions que vous ne pouvez le concevoir. Je dépasse votre entendement. Mon nom est Sovereign. Ce n'est pas un vaisseau de moissonneur que Saren a trouvé. C'est un moissonneur tout court. Moissonneur.
un nom donné par les Protéens pour incarner leur destruction. Qu'importe leur sobriquet, nous sommes, et c'est ainsi. Les Protéens ont disparu il y a 50 000 ans. Vous ne pouviez pas être là, c'est impossible. La vie organique n'est qu'une mutation génétique, un accident. Vos vies se mesurent en années, en décennies. Vous vous étiolez avant de mourir. Nous sommes éternels, l'apogée de l'évolution et de l'existence. Devant nous, vous n'êtes rien. Votre extinction est inévitable. Nous sommes l'accomplissement, la fin de tout. Toutes les races de la galaxie se sont unies pour vous faire face. Assurance et sœur d'ignorance. Le cycle ne peut être interrompu. Le cycle? Quel cycle? Il s'est répété plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Les civilisations organiques naissent, évoluent, progressent, et arrivées à leur apogée, elles meurent. Les Protéens n'ont pas été les premiers. La citadelle n'est pas leur œuvre. Pas plus que les relais cosmodésiques. Ils les ont tout juste découverts. C'est l'héritage de mon espèce. Pourquoi auriez-vous construit les relais cosmodésiques si c'est pour les laisser à d'autres? Votre civilisation est basée sur la technologie des relais cosmodésiques. Notre technologie. En les utilisant, votre société se développe dans le sens que nous voulons. Nous imposons l'ordre au chaos de l'évolution organique. Vous existez avec notre permission et disparaîtrez par notre volonté. Ils nous moissonnent. Ils nous laissent évoluer jusqu'au niveau dont ils ont besoin et ils nous détruisent. De quoi avez-vous besoin? D'esclaves? De ressources? Ma race transcende votre compréhension. Chacun de nous est une entité-nation, indépendante, sans faille. Vous êtes incapable d'appréhender ne serait-ce que notre nature. Vous n'êtes qu'un simulacre de vie. Une machine, ça se détruit. Vos paroles sont aussi vides que votre avenir. Je suis le souffle de votre destruction. Commandant, on a un problème. Sans déconner. Annoncez la couleur, Joker. C'est ce vaisseau, là. Sovereign. Il a viré de bord. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce truc vient de prendre un virage qui aurait coupé en deux n'importe lequel de nos vaisseaux. Il vient vers vous. Et vite! Vous feriez mieux de vous tirer de là. Cette console ne marche plus. Vos ordres, commandant Shepard? On se dirige vers le centre d'élevage. Joker passera nous prendre quand on aura posé la bombe. Hop, c'est parti pour la fuite. Bon, tout va bien.
Oh, merde. Je suis passé sous un orange. Ça a l'air tellement paisible maintenant, sans la musique, la mer, le bruit des vagues, et une toile qui me tire dessus. Il ne reste plus qu'une grenade par contre. Ah, on descend.